Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est la veille de Noël, je suis venu pêcher sur le canal du Nivernais. Alors j'ai découvert ce secteur la semaine dernière, en fait j'ai pêché le bassin qui est 500-600 mètres plus loin. Et là je vais pêcher dans une... c'est le canal, mais bon c'est une petite rigole d'alimentation. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique la semaine dernière et je me suis dit pourquoi pas, peut-être que le poisson l'hiver vient se positionner ici. Vu qu'on est légèrement en contrebas de la route, à peu près 10 mètres, peut-être que le poisson ne subit pas trop les variations de température, le vent et tout ça. Donc là aujourd'hui les températures sont plutôt clémentes puisque sur la route 7h30 du matin on avait 7-8 degrés. Samedi dernier à midi j'avais 0, j'étais dans le brouillard complet, donc j'ai même pas mis de bonnet ce matin. Donc on est plutôt bien. Alors le seul souci, c'est que le canal a baissé de 20-30 cm, donc ça c'est pas très bon. De toute façon j'avais envie de venir essayer ce nouveau secteur. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à prendre. Les dernières semaines pour moi ont été vraiment catastrophiques, avec des petites pêches, voire même des capots. Donc en gros ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas pris de poissons, malgré que j'aille à la pêche toutes les semaines. J'espère qu'on va réussir à déclencher quelques touches. J'ai déjà descendu ma station et puis je vais mouiller l'amorce et je vais vous présenter tout ça tranquillement. Alors pour l'amorce, je vais faire un truc assez standard pour l'hiver. Je vais partir sur mon amorce pour pêcher l'hiver. Donc je vous ai donné la recette sur YouTube. C'est une recette d'amorce à 4 farines. Donc très simple. Et puis on va mettre une demi-part de Power Crunchy en Monster Crab. Alors normalement l'amorce hiver, je mets tout de suite du colorant noir dedans. Mais là vu que je mets la Power Crunchy en Monster Crab, ça va la colorer directement, on va avoir une amorce très foncée. Voilà, donc là j'ai une amorce légèrement surmouillée. Alors c'est normal, je vais mettre de la terre de somme. Alors c'est de la terre de somme noire, donc ça c'est bien pour l'hiver. Exactement la même couleur que l'amorce. Voilà, donc là j'ai une amorce assez saturée en eau, bien granuleuse avec la terre de somme. Donc je vais la laisser comme ça, pour moi c'est bon. Je vais juste ajouter une dernière chose pour le côté visuel. C'est donc le couscous diabolique en version rouge. Histoire de faire des petites paillettes rouges dans les boules d'amorce. La version rouge, c'est une version que j'utilise essentiellement l'hiver parce que je trouve que c'est très attractif au niveau de la couleur. C'est pas du tout pour nourrir les poissons, mais c'est vraiment pour les faire venir sur ces petits points rouges qu'on retrouve dans les boules. Voilà, donc pour moi c'est bon. Je vais pas la remouiller, on va la laisser comme ça, on verra au bord de l'eau, peut-être je remettrai un petit peu d'eau au moment de l'amorçage, ou au moins sur mes mains pour faire les boules. Et puis on va commencer la pêche. Alors la stratégie c'est simple, un coup à 7 mètres devant moi, et puis un coup carrément en travers avec la canne à 11 mètres, où là je vais mettre essentiellement des pelés sur le fond, histoire de bloquer un peu le passage si jamais il y a des gros poissons, peut-être une petite carpe, un carassin, je ne sais pas trop ce qu'il y a ici,
Mais faire un coup supplémentaire pour aller chercher peut-être un poisson bonus un peu plus tard. Alors les pelés, j'ai pris l'option de les teinter en vert. Voilà, mon bac de pelés est ouvert, je vais vous montrer, hein, je les ai descendus. Donc on verra si ça peut faire réagir les poissons sur le fond. Voilà, c'est vraiment le côté visuel pour essayer d'attirer l'attention des poissons. Alors dans l'amorce de départ, je vais mettre un peu de pinky. Vraiment pas beaucoup. Et puis un peu de maïs écrasé. Voilà, je vais pas mettre grand chose. Parce que je connais pas trop ce canal. Et puis on va déjà voir comment ça se passe au niveau de la pêche. S'il y a quelques touches, la taille des poissons. Bah, s'il y a des poissons déjà. Et après, j'ajusterai le rappel en fonction des touches, s'il y en a. Le fond a l'air bien plat, bien dur. Donc l'amorce ne devrait pas trop bouger. Je vais partir sur 8 boules et puis après on gardera l'amorce pour le rappel. Voilà, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un coup en travers avec un mélange de pelé. Donc du 3 mm surdosé, de l'extrudé de 4 mm et quelques pelés de 6 au milieu. Voilà, donc j'ai pris parti de les colorer en vert. Tout le monde dit que l'amorce verte, la couleur verte, c'est très bon pour l'hiver, donc on va voir. Voilà, peut-être qu'il y aura un ou deux poissons à les prendre dessus. Donc les pelés, ça va être un coup en travers à 11 mètres, en plein milieu du canal. Et puis j'irai faire un petit tour au bout de 2 heures de pêche, par exemple, si jamais j'ai pas du tout de touche. Sur mon coup principal. Alors après, dans le tas de pelés, je vais quand même y mettre un petit peu de maïs broyé parce que je trouve que c'est très attractif à toute saison. Allez, on va amorcer et puis on attaque la pêche. Mes lignes sont réglées, je vous montre ça juste après. Alors sur ma tablette, j'ai un mélange de pinky, toutes les couleurs, bon, j'en utilise pas beaucoup mais l'hiver c'est bien. J'ai quelques gauzeurs rubis et j'ai mis des multicouleurs dedans. Voilà, grains de maïs, j'ai des petits expandeurs en 4 mm. Alors ça c'est bien pour les mettre par exemple sur des hameçons de 18, quand on a des gardons ou des petites plaquettes. J'ai du maïs écrasé, donc ça pour mettre dans la coupelle ou dans l'amorce. Des gauzeurs morts bien sûr, pour mettre à l'hameçon, et puis mes pelés verts pour le deuxième coup, et bien sûr ma boîte de terreau juste à côté. Voilà, donc assez simple, il me manquerait juste des vaseux, mais là en ce moment ils sont trop petits pour qu'on les ramasse.
Alors au niveau des lignes, en fait, j'utilise les lignes qui restent montées sur mes kits pratiquement tout l'hiver. Donc là, j'ai un flotteur Capro en 0,75. Donc ça, c'est la grosse ligne, assez costaud, en 18 centièmes direct. J'ai un flotteur, un Daiwa Agata en 1 gramme, donc un flotteur boule à fil intérieur. J'ai un petit flotteur carotte, donc un vieux flotteur Maver, ça a au moins 20 ans, en 4,14, donc l'équivalent à peu près de 0,40. Et j'ai également un petit flotteur Colmic équivalent d'un Sansas Serge en 4,14 aussi, 0,40. Voilà, donc ça, cette ligne-là, elle est réglée 10 cm au-dessus du fond. Et pour le reste, je suis tout réglé au ras du fond. J'ai à peu près 1,50 m d'eau. Voilà, donc ça fait une heure que je pêche tout rond. J'ai 7 poissons, j'ai 7 gardons, dont deux petits zinzins grands comme ça. Là, je suis passé avec un grain de maïs coupé pour essayer de prendre les plus gros. Après, il n'y a pas énormément de touches. Je pense qu'il faut vraiment attendre que le poisson rentre sur le coup. Bon, là, il y a le soleil qui monte, donc ça va peut-être accélérer un peu la pêche. Après, ce qui est bien, c'est que y a quand même des touches. Donc pour une partie du canal que je connais pas du tout, je suis assez content puisque on arrive à faire quelques poissons. Comparé aux dernières sorties de pêche qui n'étaient pas terribles. Alors pour l'instant, j'arrive pas encore à trouver vraiment la bonne ligne qui va bien. J'ai un peu tout essayé. Mais je pense qu'il faut changer assez régulièrement. Donc néanmoins, je rappelle à la coupelle avec des toutes petites boules d'amorce bien serrées. Voilà, histoire de créer de l'activité sur le fond, pas forcément leur ramener de la nourriture parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Après, j'ai quand même une amorce qui est très très pauvre, avec beaucoup de terre. Donc je pense que ça dérange pas trop d'emmener des coupelles assez régulièrement. Alors il y a un léger courant. Ce qui fait qu'on les touches sont un peu décalées du coup, souvent un mètre à gauche. Alors pour autant, j'ai pas changé ma façon d'amorcer, je continue d'amorcer pile poil devant moi. Voilà, donc là ça fait 5-10 minutes que je suis au maïs, j'ai fait un poisson et je pense qu'il faut que je change d'èche. À mon avis, je vais être obligé de changer assez régulièrement pendant toute la partie de pêche. Là, je suis sur la ligne en 1 gramme, j'ai pêché en 4,14, enfin 0,40, mais je trouve pas qu'il y ait une réelle différence. Il n'y a pas plus ou moins de touches.
Je pense que pour l'instant, le poisson n'est pas bien installé sur le coup. Et puis, c'est un secteur de pêche qui, à mon avis, voit jamais une boule d'amorce. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pêcheurs qui descendent avec les talus qu'il y a ici. C'est quand même pas facile d'accès. Pour basculer avec un gauzeur. Je vais même rechanger de ligne. Alors j'ai décroché quand même quelques poissons. Je pense que c'est des tout petits et qui font vraiment des petites touches. Voilà, pour l'instant les touches c'est pas très suivi, on n'enchaîne pas les poissons les uns après les autres, c'est vraiment très espacé. Bah, cette saison faut quand même être assez patient que le poisson rentre sur le coup. Bon, pour l'instant j'ai fait ma pêche en étant réglé vraiment au ras du fond et je vais peut-être essayer en traînant de 5 cm de caler sur l'amorce. Je pense que les poissons ne bougent pas trop. Il faut vraiment que je trouve le truc pour déclencher les touches. Je suis sûr qu'il y a bien un peu de poisson sur l'amorce. Bon, après, il n'y a pas une grosse activité sur le canal. On ne voit pas un poisson sauter. Quand même relativement dur. Je vais essayer avec un asticot jaune.
Bon, donc c'est très compliqué, les touches ne se suivent pas. C'est vraiment dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de mon amorce et je vais la rendre un peu plus claire et un peu plus traçante. Je vais ajouter de l'amorce à ablette dedans et puis de la terre de somme. Et je vais essayer de rappeler à la main pour voir si en faisant du bruit et en faisant tracer l'amorce, je peux pas faire rentrer les poissons un peu plus vite. Parce que là, ça fait pratiquement plus de 2 heures que je pêche et j'ai 12 poissons. J'arrive pas vraiment à prendre les poissons. Même en changeant de ligne, j'ai essayé un peu plus loin, mais ça tient pas sur l'amorce. Il n'y a pas vraiment une ligne ou une technique qui fonctionne mieux que l'autre. Il y a quelques touches assez éparpillées. Et en plus, ils mordent vraiment très mal. Alors pour modifier l'amorce, je vais ajouter de l'amorce à ablette. Hein. C'est une amorce que j'emploie régulièrement pour changer la texture de mon amorce de fond puis la couleur. Donc ça va déjà avec ça, ça va nuager un peu plus. Et puis je vais ajouter de la terre de somme. Voilà, donc on va être sur une amorce beaucoup plus claire. Si je veux la faire nuager, j'aurai juste à la mouiller un peu plus dans ma main. Et puis je vais attaquer une pêche au rappel. Alors, on va essayer de faire bouger un peu le poisson parce que là, plus de 2 heures de pêche, j'ai à peine 15 poissons. Bon, je suis sûr qu'il y a bien un peu de poisson qui est remonté dans ce petit canal. Alors le changement d'amorce, ça a marché les premières minutes. J'ai fait 4 poissons dans le premier quart d'heure. Et après plus rien. Comme si ils étaient venus tout de suite sur l'amorce. Et qu'ils étaient repartis aussi vite. Alors, je suis en train de me dire qu'il n'y a sûrement pas tant de poissons que ça dans ce petit canal là. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de touches. Et puis c'est vraiment pas des gros poissons. Donc on est vraiment dans une période de pêche assez compliquée. Parce que les week-ends s'enchaînent avec à chaque fois des poissons très difficiles à prendre. Ouais, c'est la période qui veut ça, mais c'est quand même assez dur.
Donc je change de ligne assez régulièrement, je change la couleur des asticots à l'hameçon. J'ai réessayé avec un maïs coupé, mais bon, il n'y a pas assez de poisson sur le coup. Donc je vais quand même continuer de rappeler. Ah, pourtant les conditions sont vraiment bien, il fait pas très froid, ici on est à l'abri du vent. Mais il n'y a rien. Je suis pratiquement à 3h30 de pêche pour 17 poissons. Et vraiment, c'est la galère. Alors je reprends le fond assez régulièrement quand même pour voir si le niveau du canal bouge pas trop. Parce que par rapport à la semaine dernière, quand j'étais passé voir, il a quand même baissé de 25-30 cm. Ce qui n'est pas terrible. L'inverse, c'est quand même beaucoup mieux. Mais là, depuis ce matin, ça n'a pas bougé. J'avais pris un repère en face et le niveau n'a pas du tout bougé depuis ce matin. Plus il y a un petit courant qui va bien là, qui fait bien pêcher, mais il n'y a pas de poisson. Quand il n'y a pas beaucoup de touches, c'est vraiment pas simple. En plus, on les loupe. Bon, de toute façon, ça va être l'heure d'arrêter parce que là, on est en milieu d'après-midi. Le temps est en train de changer. Ça commence à faire de plus en plus froid. Et puis, de toute façon, depuis... pratiquement une heure, il y a presque plus de touches. Donc là, je suis revenu au ras du fond. Je continue de rappeler à la main, mais il n'y a plus de poissons. Donc c'était vraiment une journée de pêche compliquée.
Donc j'ai une vingtaine de poissons en 4 heures de pêche. Une coupure d'une demi-heure et je pensais que j'avais trouvé la bonne technique avec le changement de couleur d'amorce, mais finalement j'ai fait 4 poissons tout de suite et après c'est redevenu difficile. Donc soit c'est un secteur à cette saison où il n'y a pas beaucoup de poissons, ou tout simplement le poisson mort-port. Ce qui est souvent le cas sur cette période de fin décembre où la pêche est relativement difficile. Alors pourtant aujourd'hui les températures sont plutôt correctes, hein, il fait aux alentours de 10 degrés. L'eau est bien, elle n'est pas trop claire ni trop teintée. Il y a un léger courant qui fait descendre la ligne, donc ça va très bien pour pêcher. Mais il n'y a pas de touche. J'ai traîné, j'ai décollé du fond, j'ai rappelé à la coupelle. Bon, j'ai essayé sur mon coup que j'avais fait sur le côté, mais j'ai pas eu de touche. J'ai essayé 20-25 minutes. Alors déjà sur l'amorce c'était compliqué, mais sur les pelés encore plus. Et là j'avais rallongé un petit peu, j'ai pêché derrière mon amorce du départ pour essayer de me rapprocher des cailloux qu'il y avait en face où on avait vu quelques poissons. Bon, moi, je pense que ça va être le dernier. Je vais refaire une passe quand même, mais... Allez, j'arrête de toute façon, je commence à plus rien voir. Et puis, les touches sont beaucoup trop espacées. Très difficile d'enchaîner deux poissons de suite. Donc je dépasse tout juste les 20 poissons. Une pêche difficile toute la journée. Il n'y a pas eu vraiment de passage où j'avais plus les poissons. À part quand j'ai rappelé un peu et que j'ai tracé, j'ai fait 4 poissons tout de suite et puis après ça s'est arrêté. Donc là j'ai vraiment une maigre pêche, hein. C'est vraiment pas terrible, une pêche d'hiver. Alors j'espère que la semaine prochaine ça sera un peu meilleur, parce que j'ai prévu d'aller pêcher en lac. Allez, je vais vous sortir les poissons, de toute façon ça va pas durer longtemps parce qu'il y en a pas beaucoup. Et puis on va se dépêcher de plier tout ça et de rentrer puisque là le froid commence à arriver. Voilà, donc j'ai secoué la bourriche plusieurs fois, je pensais que j'en avais plus dedans, mais en fait non. Donc voilà, je finis avec 20 gardons. Voilà, une petite pêche. Il y avait un ou deux beaux gardons, voilà, vite fait, hein. Une pêche exclusive de gardon, j'ai même pas fait une petite plaquette, ni une ablette, ni rien du tout. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que la prochaine fois il y aura plus de poissons, c'est même sûr, puisque les vidéos qui sont en attente, je sais que j'ai fait des belles bourriches, mais c'était en plein été, c'était pas au mois de décembre. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt, surtout continuez bien à vous abonner, et puis ne vous inquiétez pas, la prochaine fois la bourriche sera plus grosse. Allez, à bientôt! Qu'il faut pas faire pour prendre 20 gardons.